dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va regarder aujourd'hui les rythmes. Donc ce premier rythme par lequel j'ai commencé, donc qui est le rythme de la bamba, celui que je vous ai montré auquel j'ai rajouté l'accord de La mineur pour avoir quatre accords. Donc je vous rappelle les accords, vous les regarderez sur votre tableau. Do majeur, La mineur, Fa majeur, Sol majeur. Donc dans les rythmes, ce qui fait un rythme, ce sont effectivement les accents que l'on va donner à ce rythme. Donc dans ce rythme-là, nous allons avoir un accent sur le premier temps du Do, un accent sur le premier temps du La mineur, et là on va avoir 2, 3, 4 pour terminer sur le Sol. Donc au ralenti, qu'est-ce que ça fait? Bon, mettons notre métronome en route à 120, 120 à la noire. Maintenant, au bon rythme, 150 à la noire. Mais bien sûr, si on veut vraiment jouer le rythme de cette chanson, il va falloir aller encore un peu plus haut. Et là, on va être à 180 à la noire. Alors c'était très bien effectivement comme échauffement, vous avez vu, parce que là il va falloir passer du temps pour le faire correctement et surtout pensez toujours que il faut jouer quand on travaille les rythmes avec le métronome, évidemment. Donc on enchaîne avec un rythme un petit peu plus calme. J'espère que vous avez reconnu le pénitencier. Donc vous avez vu que dans ce mode-là, on est toujours bien entendu avec les doigts et donc le rythme, effectivement, on pourrait presque le travailler sans musique. J'ai préféré choisir quelques titres, qui vous permettra en même temps d'avoir quelques nouveaux titres à jouer. Hein. Donc je vais vous donner les accords, bien sûr, pour ce rythme. Mais sachez que ce qui est important aujourd'hui dans cette leçon, c'est vraiment le rythme. Hein. Donc, 1, 2, 3, 1. Alors, je vous donne les accords, La mineur, Do majeur, Ré majeur, Fa majeur, La mineur, Do majeur, Mi majeur, puis on revient sur le La mineur, La mineur, Do mineur, Do majeur, Ré majeur, Fa majeur, La mineur, Mi majeur, et on termine La mineur.
bout de bois. Quand dans ma vie il faisait froid. C'était l'Auvergnat de Georges Brassens et c'est un rythme de valse que nous allons regarder tout de suite. Sachez que ce titre-là, je vous le donnerai en entier par la suite. Alors, pour l'instant, on travaille sur les rythmes et donc sur le rythme de valse. Poum, tcha, poum, tcha, tcha, poum, tcha, tcha, poum, tcha, tcha, poum. Rappelez-vous, on avait vu la pompe, hein. C'est un peu la même chose, mais c'est un rythme. Donc moi, j'ai rajouté les basses, hein. Vous ferez comme vous voudrez, sachez que sur ce rythme-là, c'est bien poum tcha tcha 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 poum tcha poum tcha tcha poum. Donc je vous donne les accords de la même manière, mi mineur, donc je fais la basse là. Puis je passe en 6/7. Rappelez-vous, je vous avais dit, vous ferez la basse. Eh bien, c'est le moment d'essayer. Vous voyez, je passe de la corde de la cinquième corde, à la deuxième case, à la corde de mi, sixième corde, à la deuxième case. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat, qui sent. Reviens sur le mi, passons, Madonna qu'à rebours, le 6/7. Ensuite je viens sur le Do, La mineur, et reviens sur le 6/7. Ce titre, qui est un enchaînement d'accords que nous avons fait pour la samba, la bamba, Do, La mineur, Fa sol, j'ai choisi le rythme du boléro. Alors, sur ce rythme, et avant de passer au titre, puisque j'ai pourrait jouer Retiens la nuit, mais sur cet enchaînement d'accords, on peut jouer des milliers de chansons. Donc regardons le rythme. Le rythme, qu'est-ce que je fais? Alors vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez faire, voyez avec mes doigts, 1, 2, 3, 4. Ou vous pouvez faire. Alors une autre chose, le rythme est enregistré à 100 à la noire. On est sur un rythme de reggae et là j'ai pris la chanson Pierre Paul Jacques de Pierre Paul Jacques. Également un titre que nous travaillerons par la suite. Donc le reggae, vous avez vu, c'est... Dans le reggae, souvent, on attaque les cordes par le bas, comme ceci. C'est le même accord, hein, La mineur, qu'on peut venir faire ici avec un petit barré, je vous le montre.
au barré 1, 2, 3, à la cinquième case. Et sur la quatrième corde, la corde de ré, on mettait un doigt ici, à la septième. Quand vous le faites en bas, il y a des résonances qui ne sont pas très heureuses. Et dans la démo, j'ai mis un tempo à 130 à la noire. Sur un rythme de cha-cha-cha, sur le titre que j'ai choisi, Marcia Baila de Rita Mitsuko. Et vous avez vu sur ce rythme que j'ai mis à 130 à la noire, c'est un titre assez, un cha-cha assez rapide, mais qui a des accents très forts. Hein. Je fais la mineur, ré majeur et mi majeur. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Pour les rythmes, on va terminer sur celui-ci qui s'appelle le shuffle et qui va nous amener par la suite, quand on jouera sur une guitare électrique, mais on peut déjà le faire sur une guitare acoustique, à jouer du rock, du blues, etc. Donc ce rythme est intéressant parce que là, il va un peu vous obliger à jouer des barrés. Alors il faut savoir que pour faire sonner le shuffle, il suffit de faire sonner deux cordes. Hein. Ça, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va faire... Là, on est en La majeur, mais au lieu de le faire comme ça, je le fais en barré. Mais l'important, c'est juste, vous n'êtes pas obligé de faire le barré, vous appuyez votre doigt sur la quatrième corde, la corde dorée à la deuxième case, et vous faites sonner la corde, la cinquième, la corde de La à vide, avec l'autre corde, vous voyez. Et on va faire, c'est-à-dire qu'on va garder notre index ici, sur la quatrième corde, la corde dorée à la deuxième case, et on va rajouter l'annulaire ici à la quatrième case sur la même corde dorée, toujours en faisant sonner en même temps la corde de La à la cinquième. Quand vous serez plus avancé, vous pourrez appuyer votre barré pour faire sonner un peu plus de cordes. Et on va faire la même chose une case au-dessus, c'est-à-dire que le doigt va passer de la quatrième corde à la cinquième corde, sur la deuxième case, et on va faire à sonner le mi, la sixième corde à vide, en faisant le même shuffle. Et quand vous serez plus avancé, vous pourrez également faire sonner plus de cordes aussi. Évidemment, en le faisant comme il faut et pas comme je viens de le faire. Eh bien, ce cours sur les
rythme se termine. Alors, sachez bien sûr, mais vous vous en doutiez, que cette liste n'est pas exhaustive. Des rythmes, il y en a autant qu'on veut. Je vous ai simplement des titres qui sont un peu, on va dire, représentatifs de la variété en général. Tout ça, évidemment, sera pour vous des exercices à noter dans vos tablettes, rappelez-vous. Et nous nous retrouverons pour un prochain cours, je l'espère. À bientôt.